Bon, c'est que le premier tour, il faut pas s'affoler. Non. Attention, les coureurs arrivent. Voyez-vous, les coureurs arrivent. Allez, Patrice! C'est tout le gros du peloton, ça? Il manque du monde, là. Il y a des chats dedans, là. Hein. Il y a deux verres derrière. Ouais. Ah, ça y est, voilà. Le verre est là, encore. Mais en première, maintenant, l'orange, comment il s'appelle? Allez, Fred! Alors, voilà la voiture. Et derrière, voilà les premières catégories. Alors, messieurs, on retrouve Prime. On retrouve Prime, messieurs. On retrouve Prime. On retrouve Prime. On retrouve Prime. Et j'ai encore un corps à la Prime sur le compte de la tête. Je sais que c'est la tête. On retrouve la Prime sur le compte de la tête. Et ensuite, on fera une demande. Je vais descendre un peu plus bas. On ne voit jamais sur les photos. Voilà, ils ont fait là. Ouais, là ils en ont vu là. En plus, il y a un groupe de contre-attaque. Nous sommes à Sobrigue, je suis les premières catégories. Il y a donc un groupe d'une dizaine qui est sorti depuis 2-3 tours. Ils ont pris une belle petite avance sur le peloton. Et ici, il y avait un petit groupe de contre qui tentait de s'extirper de ce peloton. Très joli circuit. On a de la chance, un beau petit temps, bien frais, mais enfin pour faire du vélo épatant. Ici, c'est une longue partie assez rectiligne où on avait le vent favorable, donc ça roulait très vite. Et sur le retour, bah justement l'inverse, le vent plutôt défavorable avec un coup de cul à donner et puis une jolie petite bosse. Plus la petite bosselette aussi, le gros faux plat que je viens de filmer depuis le début, là, juste pour l'arrivée. Voilà, donc voilà le peloton avec le groupe de contre là-bas. L'échappée est quand même bien plus loin devant. Hein. Ça ressort encore du peloton. On va se retrouver avec un peloton coupé en deux.
Enfin, il n'y a pas un grand écart, ça peut encore rentrer. Hein. Voilà le contre qui tourne. On tourne deux fois à droite pour aller chercher après la partie où il y a les bosses. Je vais les attendre ici pendant... Donc les uns vont rattraper les deux. Un homme seul qui a pris une belle avance sur le groupe d'échappés. Les voilà. Il y a une voiture qui suit.
échappés des premières catégories qui ont une grosse avance sur eux. Leur peloton s'est quasiment coupé en deux. Et avec un homme devant qui a pris lui aussi une belle avance. Hein. Deuxième virage à droite. Et là, on va attaquer la petite bosse et la plus grosse. Hein. Celui-ci était très serré. Voilà, premier coup de cul à donner. On descend et on attaque la bosse. Bon, qui n'est pas très difficile, hein, qui se passe sur la plaque bien sûr, mais c'est assez répétitif hein, quand même. En tout cas, c'est un joli circuit. Donc ils sont en train de rattraper les deux. Il y avait une grosse différence de rythme entre les deux pelotons. Hein. Je connais ce maillot. Le capitaine. C'était ici le plus dur quand on était en haut de la bosse. Si ça voulait attaquer. Ah! Alors est-ce qu'on va vers le peloton des deux? Oui, oui, il est là-bas. Dans la nature. Là, on attaque la bosse de l'arrivée. Où est-ce que j'ai filmé les premiers tours? Monsieur Blanchet. Là, ils vont plus vite que moi. Bien, je vais attendre la suite. Ça, c'est le groupe de contre. Et il restera le reste du peloton. Hein. Une voiture ouvreuse, une deuxième, le premier des premières. Ça c'est un 2. Beau temps sur les Landes, il est temps. Toujours le gros écart, voilà. Échappée des premières. Non. Non, ça c'est les deux. Oh,
Oh là là là, il y a eu du chambard avec la voiture là-bas. Et voilà l'échappée des premières catégories. Le peloton des deux est juste devant. Il y a un gars en échappée en première catégorie qui est encore devant. La jonction va se faire dans les bosses. Voilà, c'est rejoint. Serré à droite, et nous on passe à gauche. Je vais les attendre ici pour un tour. Je vais trouver une petite place. Une voiture qui a réussi à passer à contresens. Dis donc, l'écart augmente, hein. Et derrière, donc voilà, ça va être le peloton des deux. Une 30 sur le tout seul.
Ça, c'était le groupe de contre des premières catégories. Enfin, c'était celui encore, mais alors maintenant, c'est plus un groupe de contre, ils sont vraiment très loin. Hein. Et derrière eux, il y a le reste du peloton. Et voilà le reste du peloton des premières catégories. Au tour précédent, tu avais 1 minute 30. Ça devrait aller. Je suis à la poursuite du premier. Alors, il reste 2 tours. Peut-être que c'est le dernier tour. C'est 1 ou 2. Donc, je vais faire un petit bout avec lui, puis je vais attendre l'échappée derrière. Là, je roule à 80. Le voilà. Le bougre. Il fait pas semblant. Hein. Il est en train de rattraper son peloton. Je vais le laisser partir seul et je vais attendre l'échappée derrière. Lui, il est évident qu'il va gagner. Bonne route, copain. Parce que si c'est le dernier tour, voilà, me voilà derrière le reste de l'échappée. Frédéric Devers et un autre sont essayent de sortir. Donc, où c'est l'arrivée, où il restera un tour. Non, c'est rentré. Nouvelle attaque. Ça serait bien l'arrivée quand même. Non, il reste un tour. Jamais de son nom.
Jérôme Custer et... Cette fois-ci, c'est sûr, on part pour l'arrivée. Pour la deuxième place, hein. J'espère qu'ils vont nous faire du spectacle. Ça fait le serpent de mer. Voilà, on a pris le premier virage. Attaque à droite. Ça répond. Non, c'est toujours groupé. Il y en a qui ont mal, bien sûr. On commence à être fatigué, hein. Là, on vient de prendre le dernier virage, on va attaquer les deux montées. C'est presque coupé en deux, mais il n'y a rien, hein. Mais comme ils sont bien cuits, quelquefois ça peut suffire. Voilà la bosse pour la dernière fois. Attaque de Fred. Frédéric de Vert et 1 et 1. Voilà, il est là-bas, il va attaquer la bosse. Il va faire deuxième. Voilà, je vais les laisser faire. De toute façon, avec le virage, ils vont me prendre 100 mètres. Voilà, jolie course. Voilà, Fred qui fait 2. Et voilà. Rendez-vous à Saint-Julien.